Le destin de Madame Midas. Madame Midas adorait les enfants, rôtis, à la poêle, en courbouillon et surtout cuits au four avec beaucoup de gruyère. Elle les coupait toujours en menus morceaux et se gardait la langue pour le dessert. C'était une vilaine ogresse avec un bouton poilu sur chaque centimètre de son corps, un nez qui ressemblait à un vieux tube de dentifrice cabossé, seulement 3 ou 4 dents et des gencives si mal soignées qu'elle avait toujours du sang dans la bouche. Et puis, elle était chauve comme un vieux rat galeux. Et pour couronner le tout, elle était horriblement sale et ses pieds encore plus sales car elle ne supportait pas les chaussures. Vous imaginez le tableau. Personne ne l'aimait parce qu'en plus, elle était très méchante et très cruelle. Ce qui n'est pas étonnant, puisque personne ne l'aimait. Et personne ne l'aimait parce qu'elle était dégoûtante, moche, méchante et cruelle. Et elle était ainsi parce que vraiment personne ne l'aimait. Pas même les araignées qui sont vraiment des sales bêtes. Bref, elle vivait toute seule dans une vieille cabane aussi pourrie qu'elle, au milieu d'une forêt burk, pleine de fleurs empoisonnées et de plantes carnivores burk burk. Mais aucun animal. Car les animaux ont une âme, pas Burke. Comme c'était un endroit vraiment trop affreux, personne jamais n'allait s'y promener, et surtout, aucun enfant, jamais. C'est pourquoi Madame Midas était une ogresse très maigre et très affamée. Elle n'avait jamais rien à se mettre sous la dent. Un matin que son ventre gargouillait vraiment trop fort, elle décida d'aller rendre visite au diable, pour lui proposer un accord. Le diable habitait dans un trou. Elle pénétra dans cette crevasse ouverte au pied d'un vieil arbre à dentier et elle descendit jusqu'au centre de la terre, ce qui est vraiment très loin, par un escalier constitué de milliers de marches en acier noir. La descente aux enfers dura un temps vraiment énervant pour tout le monde et surtout pour connaître la suite de l'histoire. Alors, arrivons directement en bas avec Madame Midas. L'ogresse était éreintée, essoufflée, exténuée, mais elle pensait que cela valait vraiment la peine de se fatiguer pour signer un pacte avec Monsieur le Diable. « Qui est là ?» lui cria le concierge, un bossu avec des dents de vampire. « Je suis Madame Midas, ogresse et sorcière !» Patentée. Je voudrais avoir une entrevue avec le diable. C'est pour une affaire urgente. J'espère pour toi que ça va l'amuser. Sinon, tu peux dire adieu à tes yeux, à tes oreilles et à ta langue, car il n'en a pas d'aussi moche dans sa collection. Madame Midas frissonna et suivit le concierge jusqu'à une grande porte toute décorée de petits os. Il prend son bain. T'as qu'à lui parler à travers la porte. En effet, on entendait de drôles de glougloutements et bouillonnements derrière. Voici ce que Madame Midas cria à travers la porte entre ses 3 ou 4 dents. Grand maître des enfers, terrible démon, je viens vous proposer un marché. Vous ne le savez peut-être pas, mais je me nourris surtout d'enfants. Les plus jeunes et les plus dodus sont mes préférés. Mais voilà, dans la forêt, il n'en vient jamais. Alors, voici ce que je vous propose. J'ai chez moi une cave secrète remplie de statues d'or que mon mari m'a léguée. Je vous en offre 7. Non, 5. Ah, non, je voulais dire 3. Bon, allez, 4. Et même 6 si vous voulez. Bon, d'accord pour 7. Madame Midas était très avare. Et en échange, vous me donnez le pouvoir de transformer tout ce que je touche en bonne nourriture. C'est-à-dire en beau petit garçon bien gras. Et mignonne petite fille toute rose. D'accord ? Hein ? D'accord ? Le diable répliqua.
si, vieille chouette, on veut transformer tout ce qu'on touche en morveux? L'idée est amusante. C'est bon. Je t'accorde ce que tu demandes. Tu me feras parvenir l'or quand tu pourras. En fait, le diable se fichait pas mal des trésors. Il avait déjà tout ce qu'il voulait dans une grande armoire à glace. Tu peux repartir contente. Ton vœu se réalisera dès que tu t'en retourneras là-haut, au moment même où tu graviras la première marche pour remonter. Et le diable eut un petit sourire de serpent que personne n'a jamais vu. Madame Midas hurla de joie, et toutes les bêtes souterraines en eurent des frissons. Elle se rua vers l'escalier. Elle se léchait les babines à l'idée de la grande bouffe qu'elle allait se faire à sa cabane. Elle était vraiment très bête, presque aussi bête que laide. À peine posa-t-elle le pied sur la première marche de l'escalier géant, que cette marche d'acier se retourna et prit la forme et la couleur d'une belle petite fille endormie. Heureusement, l'ogresse était très légère et pas trop écrasante. Son poids ne fit que réveiller la petite qui se mit à bâiller. Le sortilège fonctionnait, et Madame Midas n'avait pas réalisé que cela commencerait si tôt. Elle sursauta d'étonnement. Puis, elle se reprit et ramassa la fillette en éclatant d'un rire de joie affamé. Elle poursuivit alors son ascension en courant, sans réfléchir, car l'appétit lui donnait des forces et la rendait plus bête encore. Mais au fur et à mesure qu'elle montait, avant même qu'elle eût réalisé ce qui lui arrivait, elle fut entourée d'enfants qui se réveillaient sous ses pieds en cessant d'être des marches d'escalier. Au départ, elle les ramassait tout excitée et en bavant à l'idée d'un tel festin. Mais elle était si maigre et si fragile, et les enfants tellement nombreux au fur et à mesure qu'elle montait, que bientôt, elle se sentit submergée par la quantité. C'est alors qu'elle comprit combien il était dangereux de faire un pacte avec le diable. Partout, les enfants riaient, criaient de joie en s'éveillant. Madame Midas grognait par le trou de sa bouche. L'endroit n'était plus stable du tout, comme si l'escalier tout entier prenait vie. L'ogresse était bousculée de partout et elle finit par perdre l'équilibre. Elle se cassa les dents juste sur la dernière marche qui devint aussitôt une fillette couverte de taches de rousseur. La fillette vit Madame Midas de très près et crut que l'ogresse voulait la mordre. Alors elle lui donna un grand coup de genou dans l'estomac. C'était une petite fille qui avait des réflexes particulièrement rapides. Madame Midas en eut le souffle coupé. Elle se redressa brusquement et dégringola en arrière. Elle avait l'air d'un clown qui vient de prendre une tarte à la crème dans la figure. Les enfants éclataient de rire en la voyant si cloche. Et partout, ils criaient « Encore, encore, encore une grimace! Encore, encore, encore une grimace !» Ils sautaient sur le ventre de Madame Midas, lui chatouillaient les pieds, lui faisaient faire la toupie, n'importe quoi, histoire de rigoler. Bientôt, Madame Midas, tout affaiblie, débaroula l'escalier qui n'avait plus de marche et qui ressemblait maintenant à un immense toboggan. Elle glissa jusqu'en bas, à plat ventre, avec sa dernière dent en avant, et tête la première, se cogna à l'arrivée à la porte du diable, mourut et resta en enfer pour toujours, au milieu de la méchanceté et de la puanteur. C'est tout ce qu'elle méritait, puisqu'elle était méchante et puante. Quant aux enfants, ils ne tardèrent pas de découvrir le trésor de l'ogresse dans la cave de la bicoque, qui était bien la seule cave de la seule bicoque aux alentours. L'un d'eux, qui avait déjà l'esprit commercial, eut l'idée de vendre toutes les statues en or, et avec tout cet argent, ils firent raser la forêt ensorcelée avec des bulldozers et fondèrent un royaume fait pour eux avec que des sucreries, des petits moutons blancs un peu partout, une piscine à vagues, un cinéma avec écran géant
et plein de jeux incroyablement rigolos comme « Mange un oignon et t'avances de trois pions ». Le diable dans tout ça ? Ça fait longtemps que plus personne ne descend chez lui. S'il savait que son escalier n'existe plus parce que ses vilaines marches en acier sont toutes en train de faire la fête au royaume des enfants. Ah oui, aussi il y a un truc d'auto-tamponneuse et un grand 8 et aussi... Mais c'est fou tout ce qu'il y a. Il y a une piste de skate et un lac artificiel avec des mini bateaux à moteur et un distributeur de barbe à papa géante, des jeux vidéo, un cirque, une patinoire, un bowling.